La quarantaine d'employés de la station CJMF ont tenu une longue assemblée générale ce matin pour décider si oui ou non ils poursuivaient la diffusion à l'expiration de leur permis à minuit ce soir. Les employés ont écouté le rapport de leur administrateur, mais ce sont les salariés en définitive qui décideront du sort de leur entreprise. Ils ont avancé trois scénarios. Premièrement, accepter la fermeture et s'inscrire à l'assurance chômage. Deuxièmement, défier la décision du CRTC et devenir une station pirate, comme cela se fait couramment en Europe. Au Canada, cependant, un tel procédé entraîne des amendes de 1 000 $ par jour. La troisième hypothèse avancée consiste à occuper l'édifice et poursuivre la diffusion, même si cela vient à l'encontre de la volonté des administrateurs. Tous les employés sont actuellement présents à la station et les dernières heures devraient être chargées d'émotions, tant en ondes que dans les locaux de CJMF. Il faut aussi retenir que le CRTC doit tenir de nouvelles audiences en juillet pour accorder un nouveau permis MF, un véritable permis rock cette fois. Reste à savoir si CJMF tient à s'y présenter avec un minimum de chance. Guy Tremblay, à Québec. La dernière soirée de diffusion de CJMF, sous des apparences de fête, n'avait cependant rien de réjouissant. Le remontant qui circulait allègrement était surtout là pour cacher une profonde déception et une amertume qui se lisait sur les visages. Les dernières secondes de temps d'antenne ont été dédiées à tous ceux qui ont cru et qui ont apprécié CJMF. Nous remercions nos auditeurs, nous remercions nos commanditaires, nous remercions les gens qui ont travaillé avec nous depuis 2 ans et demi. Je pense que j'arrête de diffuser sur cette station dans 3 secondes. De toute façon, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Moins emporté par l'émotion, conservant le sang-froid des hommes d'affaires prêts à se relever après un dur coup, un des porte-parole de la station avouait son optimisme dans l'avenir. Mais nous, on a toujours cru à notre entreprise, on continue d'y croire, on est très confiants. On pense qu'on a des choses à offrir à la région de Québec ici, à la population. On pense que le CRTC est à même d'apprécier ces choses-là. Le CRTC a des choses à faire respecter, on le reconnaît, on le respecte. Actuellement, on est persuadé que nos qualités peuvent se situer dans un cadre légal qui est normal. Et dans ce sens-là, on est persuadé du bon droit qu'on a d'avoir de l'espoir de revenir en onde. Alors que tout était terminé et que les employés quittaient un à un, une centaine d'auditeurs s'étaient déplacés et manifestaient bruyamment devant l'édifice. Cette station bâtissant le support d'un réseau, c'était ici au deuxième rang des codes d'écoute à Québec, avec plus d'un quart de million d'auditeurs. C'est sans doute avec cet appui moral que les administrateurs de CJMF entendent se présenter à nouveau devant le CRTC le 4 juillet prochain. Guy Tremblay à Québec.